Salut Farez, ça va? Pas grand chose de débloquer. On va prendre lui. Putain, j'ai rien de débloqué quoi. On va prendre ça. Hein. Ouais, c'est un jeu qui est gratuit là. Sur le PSN. Puis il est sorti il y a 3 jours, le 15 mars. Dead or Alive, quoi. Huh? It's the time already? Well, then I better get going. I have no time for games. Come at me. Fight! This way! Ta merde. Cheers, cheers. Avec un round. Pas trop, je me suis top avec un mec. Ben, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Looks fun. Give it your all. I have no time for games. Come at me with everything you got. Ah, me défoncer, c'est quoi ce délire là? Taille, c'est même en normal, c'est difficile en normal un peu. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils s'enchaînent les combats? Yes. This is the melody. Quoi contre la montre? C'est quoi, putain? Tu sais que rien qu'en normal, c'est difficile. On va se mettre en facile, c'est mieux. Parce qu'en normal, je connais pas trop le jeu, donc... Putain, j'ai personne de débloqué. Salut Racaillou, Racaillou. All right then. Let us begin the experiment. I have no time for games. Come at me with everything you got. Parti. Get ready, fight!
Ouais, il m'a donné des conseils, mais bon. Voilà quoi. Ça m'intéresse pas trop, hein, faire du RP solo, voilà quoi. J'ai déjà dit hein, plusieurs fois. Hein. I have no time for games. Come at me with everything you got. Oh merde. Putain, j'arrive pas à l'enchaîner. C'est pas mal ce petit jeu. Il est gratuit, c'est sympa. Je suis pas un professionnel dessus, mais bon. Pourquoi je fais ça, moi? Oh, c'était pas mal ça. Ils viennent, je les prends tous. Si vous voulez le télécharger, il est gratuit sur le store. Dans les jeux gratuits. Il est sorti il y a 3 jours, le 15 mars. Let's get started then. I have no time for games. Come at me with everything you got. Moi, c'est le mode contre la montre là. Putain, mais c'est quoi ça? Je peux pas la frapper. Putain. Wow. Je sais, mais c'est chaud car fait trop. J'aime pas, après c'est chacun ses goûts. Ouais, comme tu dis. C'est super social, ouais, mais bon, après, voilà quoi. C'est pas non plus simple, hein. C'est bien le RP, mais bon. Je sais pas si ça me plairait. Damn it. If it's not one weirdo, it's another. Bon, là, c'est pas un live qui va durer longtemps, parce qu'après, je dois partir, là. Ça va durer une petite demi-heure. Sûrement que. Ça manque. Plus tard, je reprends un live, mais je suis pas sur quel jeu. Après, c'est un jeu de combat, hein, c'est bon. Abonne ta chaîne, merci. Je suis en train de l'enchaîner là, le mec. Après, je sais pas si ça me plairait après le RP. Je cache pas que. Je sais pas. Parce que j'ai regardé les lives, faut faire des lives de limite 3-4 heures à chaque fois. Voilà quoi, tu vois. J'ai pas envie de faire des lives toujours de 3-4 heures tous les jours, hein, moi. Ah, it's the time already? Well, then I'd better get going.
I have no time for games. Come at me with everything you got. Après, je vais changer de mode pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Après, c'est le combat. Wow. C'était stylé, ça. Mais si c'est simple, tu peux pas dire ça te plaît pas si tu essayes pas. Ouais, mais bon. Après, voilà, faut faire des lives assez longs, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas forcer les personnes. Ouais, mais bon. Enfin, voilà, je sais pas si j'en ferai, j'en sais rien. Je suis pas focalisé là-dessus, moi. C'est après, sur ma chaîne, comme tu vois, je fais un peu ce que je veux, hein. C'est bon. C'est un peu logique, quoi. I have no time for games. Come at me with everything. Là, je vais faire ce dernier combat et puis je vais passer à autre chose. Putain. Il est en train de me défoncer. Là. J'aime bien ce style. Ça va, j'ai fait un petit enchaînement là. Putain, merde, je peux pas arriver. Voilà. C'est pas mal comme jeu, j'aime bien. Bon, après là, c'est j'ai pas tout le jeu, hein, parce que le jeu il est gratuit, mais j'ai pas accès à tout, hein. C'est un free to play en fait. Hein. J'ai pas accès à tout au jeu complet. C'est pas mal, si je voulais le tester, c'est pas mal. Après, moi je dis, c'est ta chaîne, c'est comme t'as envie, faut prendre du plaisir. Après, si t'es bloqué sur cette liche, c'est pas être bloqué, c'est juste que le RP, c'est. Je sais pas en fait. Tu vois, je sais pas si ça me plaît, j'en sais rien. J'aime bien regarder des vidéos comme ça, mais j'en regarde pas souvent, tu vois. Je suis pas trop ouvert à ce genre de choses. Ça m'intéresse pas énormément, en fait. C'est parce que tu m'en as parlé la dernière fois que je me... C'est parce que tu m'en as parlé la dernière fois que je t'ai dit que peut-être que ça pourrait m'intéresser. Mais voilà, finalement, je sais même pas, tu vois, si ça m'intéresse, au final, tu vois. C'est parce que la dernière fois que tu m'en as parlé, je me suis dit ouais, peut-être pourquoi pas. Mais bon, après le RP, c'est encore sur GTA. C'est ma chaîne, ça tourne que sur GTA, si tu regardes bien. Tu sais, moi j'aimerais bien faire d'autres jeux, tu vois. C'est pour ça que je fais d'autres jeux, parce que GTA, j'aime bien, mais j'ai fait beaucoup de vidéos sur GTA, moi. J'en ai pas 3-4, hein. J'en ai des centaines, des 200-300 vidéos j'ai sur GTA. Hein. J'en ai beaucoup. Hein. Au bout d'un moment, je crois, j'ai fait le tour de GTA. Hein. C'est pour ça que j'en fais encore pour tuer de ma caisse. Là, bon, c'est sur GTA, c'est sur San Andreas, le let's play, donc ça va encore, c'est plutôt sympa. Mais je veux dire, je pense pas que je vais encore continuer. Je pense pas que je ferai que des vidéos que sur GTA maintenant. Parce que j'aimerais bien changer de jeu aussi, tu vois. Bah ouais, trop de GTA, tu GTA, bah c'est comme il dira Caillou, trop de GTA, tu GTA, tout simplement. Tu peux pas rester que bloqué sur une chaîne, que sur un jeu. Parce que déjà, moi, bah, je prends de moins en moins de plaisir. Même si j'en prends encore, mais c'est plus comme avant. À l'époque, quand j'avais commencé sur Tune Mac PS3, là, ouais, je prenais pas mal de plaisir. Parce que c'était le début, tu vois. C'était le début de GTA V. Là, tu vois, je faisais voilà les vidéos, c'était le début de GTA. Là, on est en 2019, hein. C'est GTA, ça fait 6 ans qu'il est sorti. Hein. Je peux pas rester bloqué que là-dessus. Il faut que je fasse autre chose. Je pourrais encore en faire, mais je ferai plus que ça. Je ferai pas que ça maintenant. Je vais changer, je vais faire d'autres jeux. Même si je fais moins de vues. Mais il faut, tu vois, il faut faire d'autres choses. Je peux pas être bloqué que sur un jeu.
Bah ouais, quand tu joues trop un jeu, au bout d'un moment, ça te saoule, tu vois. Il y a un commentaire qui le dit, là, Rakeyou, il le dit, quand tu restes trop bloqué sur un jeu, au bout d'un moment, ça te saoule, et tu prends même plus de plaisir à jouer au jeu. C'est tout à fait normal. Tu sais, 6 ans de GTA, j'ai peut-être 300 vidéos dessus, hein. Après, il y en a, ils font que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, ils se renouvellent. Mais je suis pas sûr qu'ils prennent aussi du plaisir à le faire. Parce que déjà, il faut savoir une chose, je suis resté trop bloqué sur ce jeu. C'est pour ça que maintenant... si tu regardes bien, au début je faisais pas mal de vues. Tu regardes bien sur GTA V. Et au fil du temps, j'ai resté tout le temps sur ce jeu-là. Je suis resté tout le temps sur ce jeu-là. Et mes vues, en fait, j'en faisais beaucoup moins. Bah, parce que les gens, ils sont passés à autre chose, tout simplement. Les gens sont passés à autre chose. Les gens ont découvert d'autres jeux. Et donc, ils regardent plus de GTA, à la limite. Ou ils regardent les grands. Ou ils regardent les grands. Comment ça s'appelle? Les grands youtubeurs comme LaSalle et tout ça qui font du GTA. Et qui arrivent encore à percer. Mais un petit youtubeur comme moi qui fait encore du GTA, ils regarderont plus tout simplement parce que c'est passé. La mode est passée. Tu vois bien, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est Fortnite, tous les jeux comme ça maintenant qui ont remplacé les jeux de l'époque. Tout simplement. Moi je te dis juste que ce qui est vrai, Farez. Hein. C'est pas que je veux pas, c'est juste que, au bout d'un moment, tu sais, moi j'en ai un peu marre de faire tout le temps le même jeu. Il a plus de plaisir, c'est pour l'argent. Bah c'est ça en fait. Au bout d'un moment, t'as envie de changer, t'as envie de voir d'autres jeux, t'as envie de, tu vois. Moi, je suis humain, hein, je suis un joueur, je jouerai pas qu'à GTA toute ma vie. Hein. Il y aura pas que ça sur ma chaîne. Hein. Après, ouais, Mafia, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien, c'est pas du GTA, ça peut changer. Ça change, tu vois, c'est autre chose. Mais GTA, faut bien que vous gardez ça en tête. De toute façon, je ferai une vidéo pour ça. GTA, j'en ferai encore. Mais j'en ferai moins, beaucoup moins. Parce que au bout d'un moment, en fait, moi, ça me saoule un peu. C'est pour ça que des fois, à l'époque, je faisais pas de vidéo pendant une semaine. Parce que ça me pète les couilles de faire que du GTA. Au bout d'un moment, t'as envie de changer, t'as envie de faire d'autres choses, t'as envie d'évoluer. J'ai pas envie de rester bloqué que sur un jeu, moi. Je l'ai été pendant un moment, mais maintenant c'est terminé, tu vois. Et pour Mafia, ouais, pour Mafia, ça peut être autre, c'est autre chose. C'est pas du GTA, je peux faire pas mal de trucs dessus. Après, je sais que c'est toi qui m'as proposé ça. C'est pour ça que je vais le faire aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je fais des lives, comme tu vois, sur d'autres jeux. Même si ça marche pas, tu vois, je m'en fous. C'est parce que j'ai envie de faire d'autres choses sur ma chaîne. Tu sais, je te dis, si vraiment j'en aurais rien à foutre de YouTube, ben, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Parce que c'est pas avec le nombre de vues que je fais que je vais vivre de ça. Hein. On est bien d'accord, c'est pas avec le nombre de vues que je fais sur ma chaîne que je vais vivre de ça. Hein. Je continue YouTube parce que ça me plaît. Hein. Je fais un peu plus de vues maintenant par jour, mais voilà, je vais pas vivre avec ça. Tu vois. Mais je continue parce que bah ça me plaît. Faut savoir changer et prendre de nouveaux chemins. Bah ouais, c'est tout. Il faut savoir faire autre chose, tout simplement. Moi je te dis ça, c'est pas pour faire chier, mais c'est la vérité. Après faut pas oublier une chose, c'est ma chaîne YouTube, tu vois. C'est si j'ai envie de faire n'importe quoi, je le ferai. Hein. Moi tu sais, j'ai jamais fait un jeu parce qu'il était à la mode. Je pourrais faire l'enculé, aller sur Fortnite et tout ça, alors que le jeu je le critique, mais je le ferai jamais parce que ça me ressemble pas et c'est pas comme ça que je suis. Je vais aller sur un jeu comme Fortnite, au final ça va. Au final, je vais même pas prendre du plaisir à y jouer. Parce que déjà, j'aime pas. Et je vais me dire, ouais, bah, je vais sur Fortnite parce que je sais que ça peut me faire un peu plus de vues. Mais ça m'intéresse pas ça. Moi, tu vois, je suis pas comme ça. Je reste naturel quand je fais des vidéos. Tu vois. Après ça, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui restent comme ça. La plupart des youtubeurs, ils cachent leur jeu. Hein. Mais bon, après, c'est ce que les gens ils veulent. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je serai. Bah bref, on va arrêter de parler de ça parce que ça commence à m'énerver. Donc on va changer un peu, on va peut-être aller en mode histoire. Je sais pas c'est quoi quête d'oie. Did you call for me? I'll take care of it. Is something wrong? Equipment failure? What is this? Fortnite, ça pue le cancer, c'est pas la même. Ouais, mais il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur Fortnite. Pourtant, c'est de la merde, on est bien d'accord. Mais il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos dessus. Et pourtant, ils aiment pas le jeu. Et ils font ça, pourquoi? Parce que ça fait des vues. C'est aussi simple que ça. Hein. Tu sais, les gens, ils sont hypocrites. Hein. Ils sont hypocrites. Hein. Tu sais, ils vont faire une vidéo sur un jeu, Fortnite. Ouais, ils vont sourire pendant toute la vidéo. Ils vont dire, ouais, je m'amuse, etc. Une fois qu'ils ont fini la vidéo, tu sais, ils vont dire, ouais, putain, ça m'a saoulé de faire cette vidéo à la con sur ce jeu de merde. Voilà, tu sais pas ce que pensent les gens. Et moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, le jeu, je l'aime pas, donc je ferai pas de vidéo dessus. Au moins, tu vois, je suis franc. I see. Analyzing.
Bah ouais, le changement, il faut changer, je peux pas rester que sur un jeu. C'est pas possible. Non. Par contre, je sais pas ce qu'il faut faire là. En accomplissant des quêtes via le simulateur, le système devrait progressivement se stabiliser. Détail de la mission. Ah ok, c'est des missions en fait, c'est des quêtes à ce que je vois. All right, then. Recherche, non. Bah bref, ça je le ferai plus tard parce que ça va être un peu chiant. Peut-être on va aller faire peut-être je sais pas. De toute façon, je vais pas le durer longtemps. Le live, il va pas être très long. Hein. On va aller en mode histoire. Par contre, je sais pas là, ça m'a. Salut, Killer. Ouais, bah c'est exactement ça, Rakayou. C'est exactement ça. Par contre, je sais pas pourquoi ça m'a mis. Ouais, ça va, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller dans le mode histoire et ça m'a dit que l'enregistrement du jeu, du live, avait été coupé parce que j'avais accédé à une scène bloquée en fait. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le mode histoire. Mais je sais pas pourquoi, à mon avis, c'est parce que le jeu, c'est pas la version. Comment dire? C'est pas la version officielle du jeu. Enfin, si, c'est la version officielle, mais c'est juste un free to play. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça que j'ai pas accès à la scène bloquée en fait. Quand j'ai été dans le mode histoire, en fait, ça m'a mis que le jeu, la scène avait été bloquée. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le mode histoire. Hein. Donc peut-être en ligne, on peut peut-être aller faire un petit combat ou quelques combats. Match de classement. Je vais sélectionner le personnage à utiliser lors des matchs de classement. Bon, sachant que c'est un free-to-play, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de persos. Hein. J'ai elle, j'ai lui. J'ai elle, Itomi, et j'ai lui. J'ai que 4 persos. Donc je vais prendre lui, j'ai déjà joué avec lui. Bah non, je vais peut-être changer, je vais prendre la meuf, tiens. Kasumi. Il y a des tenues comme vous avez vu. Donc là, c'est les tenues, je les ai pas, hein, sachant que c'est un free to play. Mais des tenues plutôt sympas. Hein. Ouais, il y a des tenues sympas, mais il faut les débloquer, quoi. Il y a quand même pas mal de tenues sympas. Il y a même des trucs, genre, on peut mettre, changer un peu la coupe de cheveux et tout ça. Et là, il y a les titres. Donc ça, c'est les titres, je pense que vous connaissez ce genre de trucs, hein. On va mettre ça, tiens. Je suis un combattant, même si bon. On va prendre ça. Pourquoi je peux pas jouer? Après, faut le débloquer tout ça. Bon, allez, on va faire. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé comment on faisait. Mon pseudo est peu pour les enfants, mais je suis un adulte. Mon pseudo sert à faire comprendre ce genre de choses. Je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont jouer. Logiquement, ouais, j'espère. Allez, adversaire est disponible. On va
On va voir, hein. On va voir si je vais gagner ou pas. Après, je pense que Faraz, il aura compris. Allez, c'est parti. Oh, ça bug un peu. Oh, je me fais défoncer là. Wow. Je me suis fait défoncer, putain. Get ready. Fight. Allez, faut que je gagne. Bah, j'ai gagné un round. Deuxième round de gagné. Franchement, restez... toujours une bonne chose. Ouais, carrément, ouais, bah oui. Ouais, j'ai esquivé. Ah putain, dommage. 2-2 pour le dernier round. Il faut que je gagne. Putain. Ah, 3-2, putain, c'était pas loin. J'ai gagné des points. Récompense reçue. J'ai gagné une tenue. Un nouveau titre. 4 nouveaux titres. We settle this. In the name of Mugen Tenshin. Revanche. Ah, il est bon hein, le mec hein. Il est bon. J'aime ce perso là. Des fois je fais des trucs, je sais même pas comment je fais en vrai. Pas loin, pas beaucoup de vie. 1-1. Il est fort le mec en face, enfin, il est fort, il est bon quoi. Ah, 2-1. Faut vraiment gagner ce match.
Ah putain, il est bon, hein, il est bon. Ce personnage, j'aime bien. Je suis monté niveau 1. Pièce de modèle déverrouillé. Une tenue. On va quitter. Moi, franchement, il est pas mal ce jeu. Il est pas mal. Bon, après, là, c'est dommage, c'est pas la version complète, mais c'est pas mal, je trouve. Là, je vais regarder le prix qu'il est. C'est encore un peu cher, 47 euros. Franchement, c'est sympa. Je pense que je sais pas c'est qui reste sur le live là, mais j'aime bien ce perso. J'ai reçu un message sur Discord. Ouais, merci aux gens qui ont regardé ce petit live. Moi, je vais arrêter. Je pense que tout à l'heure, il y aura un nouveau live, mais ce sera sur un autre jeu. Ce sera vers les 20h, je dirais. Ouais, je sais pas, 20h, 21h. Sûrement vers les 20h, mais je sais pas, ce sera sur quel jeu. En tout cas, bah, moi, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi, et salut.